Hey, mais c'est vendredi! Et comme c'est vendredi, c'est la vacation! C'est parti! Allez, c'est parti pour l'invocation des nouveaux persos. Alors, j'ai pas du tout l'appétit, donc c'est vraiment histoire de tenter ma chance. Je vous rappelle, nous avons les deux nouveaux persos qui vont être Burns et Dakota, du côté des légendaires. Et nous avons Olivia, du côté des Poiscailles épiques. Petite parenthèse, si vous vous demandez qu'est-ce que font ces personnages et que vous avez la flemme de le lire sur le jeu, eh bien, vous avez dans mes vidéos le patch note où je vous explique tout ça. Juste petit truc, je trouvais rigolo, son espèce de truc avec les étoiles. Quand ça bouge pas, c'est ok. Et dès qu'on le bouge, on a vraiment l'impression que c'est un vieux néon acheté sur Wish. Ça me fait sourire. Et j'avais pas vu les paillettes dans les cheveux. Merde. Ok. Alors que là, on est plus sur un perso. Ça pourrait sortir de chez Tim Burton, que ça nous étonnerait pas. J'avais d'ailleurs pas vu les roses non-œil. Ok, j'aime bien le modèle, pour le coup. Alors, de ce que j'ai compris, il faut chercher Dakota, donc on va chercher Dakota. Même si j'ai pas Melia et j'ai pas Hal, donc en vrai, n'importe qui sauf Ginette me ferait plaisir. On va faire durer un tout petit peu le plaisir en les faisant 10 par 10, hein, bien sûr. Sachant qu'on va aussi aller poule sur mon 2ème compte, histoire de... ce sera pareil, je crois que j'ai pas la pitié, donc c'est pas... Voilà, on va pas... Il est dans la truc, lui? Non, pas du tout. Merde, pas de points. Pas de points pour Gryffondor. Ok, qu'est-ce que nous avons ici? Ok, toujours pas, on est d'accord qu'il n'y a pas de... Non, c'est... Non. Bon, le fait de sur les vœux miraculeux, de pas casser ma tirelire, ça fait que grossièrement, j'ai le droit à la pitié une fois sur deux. Bon, c'est un peu frustrant, parce que quand on voit les mecs qui se font des vidéos à 500 vœux et tout, ok, elle est dans le truc. Et on se dit, putain, j'aimerais bien moi aussi, des fois, pouvoir pull au moins l'équivalent de 2 pitié en vœux et se dire, bon, bah, si ça cut, ça m'en fera 3. Mais, et puis, tout de suite, ouais, ce perso-là, quand il exclut 12, il est super fort. Putain, mais je l'ai même pas exclu 1, ni rien, fous-moi la paix. On n'aura donc rien, je pense que là, ça va être assez calme. Hop. Que dalle. Ah oui, il y a la reine qui a commencé. J'ai tout mis en auto. Attends. J'ai mis en combat auto, mais il y a la reine. Fin du combat. Ouais, je vais les faire à la mano. Je vais pas terminer après le combat. J'en profite avant de changer de compte. Plusieurs choses. Bon, il y a l'événement des dragons qui commence. Donc je vais pouvoir balancer à fond dedans. Multicombat, vas-y. Hop, 35. Commencer. J'ai également 5000 d'endu qui sont stackés. Il y a un autre moyen, si vous avez besoin d'économiser de l'endu juste avant la fin du truc, dans l'ordre de combat, vous voyez, j'ai pas pris ce reward là, ce qui fait que je vais encore me gaver de 1500 dans la suite, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Si vous ne les prenez pas, ils restent stockés ici. Si j'avais été moins con, j'aurais pas pris cela non plus. Mais ça va permettre de pas mal faire d'endu dessus. Donc ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous au passage dans cette vidéo. Petit conseil, quoi. De toute façon, c'est limité à 20 essais. Et ça m'amène sur le deuxième point que je voulais voir, les abysses. On a parlé, ça y est, double abysses qui arrive. Ils seront limités de la même manière, mais on ne sait pas exactement à quelle quantité. Vous pouvez les retrouver bientôt dispo, peut-être. Yes, ils apparaissent dans les bientôt dispo. Non. J'ai dit yes, là, voilà. Il a été confirmé que ce sera double stone comme ça. Et si vous faites pour un premier try sur une première victoire sur un stage qui donne beaucoup plus de rewards, ce sera doublé également. Donc voilà, ça commence lundi. En fait, la plupart des gros events qui ont été annoncés débutent lundi. Donc ce sera le moment de se connecter, de se faire plaisir parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Donc voilà, bon, les choses en décompte, on s'en fout un peu, on rappelle juste que si on se classe bien, j'ai pas du tout essayé de bien me classer, ah, je suis pas dans les 20%, je suis nul, j'ai vraiment pas du tout géré là-dessus. Vous récupérez toujours des rewards en plus, super important, je vous ai déjà fait une vidéo sur les événements, je vous invite à regarder, vous allez comprendre un peu
tout ce que vous pouvez... Ah, là, c'est un peu mieux, déjà. Ok, parfait. Hop, très bien. Pas mal de vœux pour la semaine prochaine. Ok, voilà un peu les infos que je vais vous donner en parallèle de ça. Alors là, quand je vais commencer à mouiner ici, là, je suis à 9, ça va être vachement mieux tout à l'heure. Allez, on va sur le deuxième compte, on va tenter également les invocations, histoire de... on va demander aussi Dakota, hein, de toute manière, elle a l'air d'être bien supérieure. Certaines personnes ont fait des tests avec Burns, montrant qu'avec des persos en duo comme Vrister, ça faisait beaucoup de dégâts et c'était très bien. Pour le coup... Ah mais là je l'ai la pitié. Oh merde, j'ai pas mis mon perso. Il va me la craquer. Oh l'erreur. Oh l'erreur redoutable. Bon c'est super, j'ai une Melia. Oh putain de merde. Oh ça me fait tellement chier. C'est incroyable d'être si bête. Ok, et ben bah, voilà, génial. On sera content. On pourra tester Olivia ici, c'est cool. C'est cool. Putain, la déception. Est-ce qu'on voit la déception sur mon visage de bon matin? Génial. Bon, en soi, que ce soit Melia ou Dakota, j'avais pas de team spécifique pour aller avec Dakota, donc c'est pas très grave. Je joue pas du tout poison. C'est sur l'autre compte que j'ai Nita que ça aurait été peut-être plus intéressant. Et puis j'en ai marre d'avoir des persos mieux sur ce compte que sur le compte principal. Parce que j'ai drop pas mal de trucs assez forts. Donc bon. Voilà. Bah on aura eu le droit à une douche froide de bon matin. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Donc bon. Ah j'ai envie de me gifler. Parce que je suis passé au troisième héros garanti. Donc ça veut dire que j'aurais eu celui que je voulais. J'en ai pas mis. Et en vrai, vu que j'ai... Melia, c'est très fort, mais j'aurais préféré jouer Al, ou... Ah, quoique j'ai un Mamuk sur ce compte, ou ouais, Dakota ou Burns, ça m'aurait un peu plus contenté. Mine de rien. Mais bon, Melia va m'aider sur certains objectifs, j'en suis persuadé. Pour le coup... Ah, ça c'est bien, ça va me faire des points, et je crois que je l'avais pas dans la galerie. Est-ce qu'on récupère des trucs? Ouais, ça, c'est pas si bien. On va lancer les dragons, et puis on s'arrêtera là-dessus. Hop, on va récupérer ce qu'on a stocké. Ouais, bonjour. Hop, les dragons, falaise. Je crois que j'ai pas beaucoup de multi-combats en plus, c'est pas une... Si, c'est bon, allez hop, 65. Bon, bah voilà, vous aurez vu comment rater son pool de manière incroyable. Putain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les vidéos, dans les commentaires de la vidéo, pardon. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à rejoindre le Discord si tu ne l'as pas déjà fait. On n'est pas méchant, on est sympa. On discute beaucoup d'Infinite Magic Red et d'autres jeux parce qu'il y a d'autres chans, bien évidemment. Et n'hésite pas à me dire toi ce que tu as eu. Ça fait toujours plaisir de se rendre compte qu'il y a vraiment que moi qui ai merdé sur mon pool de ce matin. Et à très bientôt. Salut.